Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous faites bien de nous rester fidèles. Nous rendons hommage à toutes les femmes du monde entier. Vous le savez, tous les 8 mars, cette journée spéciale leur est consacrée afin de leur rendre hommage, afin de reconnaître et de faire valoriser tous leurs droits. Également dans le secteur agricole, nous avons nos braves paysannes. Nous leur avons tendu notre micro lors de cette journée spéciale. Découvrez-les dans ce reportage. Le 8 mars 2024 marque la date statutaire de la Journée internationale des droits de la femme. En Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la célébration officielle de cette journée a été le 11 avril 2024 sous le thème « Agir ensemble pour l'égalité en Côte d'Ivoire, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme ». Toujours dans sa vocation d'institution de promotion des valeureux producteurs et actrices modèles de notre économie agricole, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture des ressources animales et halieutiques, AVA, par le truchement de son émission Braves Paysans, est encore allée à la rencontre des braves agro-transformatrices, tant dans leur prestigieux marché que dans leur modeste unité de production. Notre visite a débuté à Cocovico, marché de renom dans la commune de Cocody. C'est en pleine séance de travail avec ses collaborateurs que nous avons trouvé la présidente du marché, également maire de Lougouali. En ce jour dédié aux droits des femmes, elle nous a démontré son altruisme et sa complicité envers l'ensemble des femmes du marché. Nous avons mené des actions en faveur des femmes. Non seulement nous facilitons l'accès au marché, mais aussi pour leur donner l'opportunité de payer leur place ou un magasin de commun accord et selon l'échéancier que la cliente ou les membres du bureau du Cocovico ont convenu. Et puis aussi, nous avons un groupe d'entraide qu'on appelle Grande Famille de Cocovico où toute personne qui mène une activité au sein du marché Cocovico peut adhérer. Et cette grande famille, c'est vraiment pour s'entraider au cas de besoin, c'est-à-dire cas de maladie, cas de décès, ou aussi pour augmenter leur fonds de commerce. Maintenant aussi, en tant que maire de la commune de Lougouali, dans mon programme d'action, j'ai aussi organisé les femmes en coopérative. Parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas aider chaque femme individuellement. La mairie a offert des tricycles aux femmes, comme ça elles pourront mieux faire sortir leurs marchandises. Et aussi, on attend de voir aussi une banque, pas d'une microfinance, pour les aider à leur donner un peu de fonds pour pouvoir commencer leur activité. Nous sommes approchés de la NADER pour pouvoir former nos femmes, pour pouvoir relever le défi qui est l'autosuffisance alimentaire cher à notre président Alassane Ouattara. Elle encourage les femmes, en particulier les jeunes, à entreprendre sans hésitation, même avec le minimum. Comme le disait feu ma mère, Madame Boti Rosalie, père à son âme, seul le travail paye. Avec 20 000 francs, tu peux débuter quelque chose et puis être millionnaire plus tard. Après la commune de Cocody, notre équipe s'est rendue à Adjamé pour rencontrer la présidente de la CoProDivici, coopérative de production et distribution vivrière de Côte d'Ivoire. Nous sommes situés à Adjamé-Gweba. Nous distribuons ici toutes sortes de produits vivriers. Ce ne sont pas seulement les produits de Côte d'Ivoire, mais les produits de la sous-région par saison. Nous distribuons le manioc en placali, nous distribuons l'oignon, les tomates, le piment, toutes sortes de piments. Sur ce site, on ne fait pas de détails. Tout se vend en gros et les marchés viennent se ravitailler pour aller faire les détails dans les marchés des quartiers. Réunies autour de leur présidente, les femmes de la CoProDivici travaillent dans l'entente et la cohésion. Il y a toutes les femmes qui sont tenues dedans. Ce n'est pas les femmes gourous seulement. Donc on est ensemble ici, il y a l'amour,
on est ensemble, regarde, on travaille ensemble. Donc, il n'y a pas là. Dès qu'elle a un bout de temps, Aurélie passe donner un coup de main à sa maman, malgré son travail dans une société de la place. C'est vrai que nous sommes devenus intellectuels, nous sommes allés à l'école, nous avons eu des diplômes et tout, mais vu que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture, nous, leurs enfants, nous devons nous intéresser à ce domaine d'activité-là. Nous devons mettre à profit nos diplômes pour aider nos mamans. Voilà pourquoi, malgré que je travaille, malgré que je fais d'autres choses, je ne la laisse pas. Je continue toujours de la soutenir comme je peux. Je continue toujours de faire les choses avec elle comme je peux. Vous-même, vous voyez, elles sont en train de vieillir, elles sont en train de prendre de l'âge. Et c'est nous qui sommes appelés à être la relève de demain. Toujours dans la commune d'Adjamé, nous avons posé cette fois notre caméra dans les locaux de Najma. Alors, nous, notre spécialité, c'est l'arachide, la pâte d'arachide, que nous produisons sous plusieurs formes. Là, vous voyez, 1 kg, 500 grammes, 5 kg, 20 kg, des tonnes et des tonnes. À côté de cela, nous faisons également de la pâte de pistache parce que, il faut le dire, l'entreprise Najma s'est spécialisée dans tout ce qui est transformation d'oléagineux. Donc, nous avons aux deux plateaux une boutique où nous vendons nos propres produits en plus de ceux qui nous aident à distribuer. Et pour cette boutique, nous faisons également des épices, que ce soit du sous-marin, du poivre, du gingembre moulu, vraiment plusieurs produits. Nous faisons également du miel, le miel conditionné sous plusieurs formes. Donc c'est du miel de savane, vraiment du miel sauvage, hein, je dirais. Là, on l'a en 250 ml. On a des petits tubes de 75 ml qui sont vraiment très demandés et qui marchent très bien. Pour l'hôtellerie, on l'a en petits pots. C'est vraiment des produits innovants. Hein. Un des produits phares de la maison aussi, c'est les amandes de cajou. Là, vous avez des emballages de 100 grammes, vous avez des petits pots. Plusieurs présentations sont faites. On les fait nature, les avait salés, les avait enrobés de chocolat, un vrai délice. Les mêmes amandes, nous faisons aussi du beurre. Ce beurre de cajou, consommé, que ce soit pour les sauces ou comme pâte à tartiner. Une entreprise qui offre du travail à des femmes et à des jeunes qui s'épanouissent. Quand nous venons le matin, j'installe les femmes. Elle commence à trier, je vérifie si c'est propre. Si c'est propre, on passe à la machine, la purification. Après ça, je vérifie si c'est cuit, je mets dans les bas de refroidissement. 2 minutes après, je regarde si c'est froid, on passe aux dépellulleuses. Après ça, on passe au vanage, après ça, on passe au moulin. De boulet, on passe les produits finis. Des produits sains qui profitent aux consommateurs. Je viens prendre mes produits naturels chez Najma. Voilà, les produits sont de qualité, le miel, le sous-marin, peu importe le produit, la pâte d'arachide. En tout cas, tous les produits sont naturels. C'est la qualité, le goût aussi est exquis. De retour à Angré, dans la commune de Cocody. Cette fois, c'est une spécialiste de la transformation de jus de différentes saveurs qui nous reçoit. Au niveau de SPD, notre innovation d'abord par rapport au jus, c'est de proposer du jus de bonne qualité, fait dans les conditions d'hygiène qu'il faut, et prêt à l'emploi, prêt à être bu, et sans se soucier de comment c'est fait, parce que c'est fait dans les bonnes conditions d'hygiène. Par rapport donc aux dérivés de cajou, notre plus a été de transformer la pomme en vinaigre,
En 2019, pour cela, nous avons eu le premier prix d'excellence. Ce déclic, c'est le FIRCA qui m'a envoyé vers l'université et les chercheurs nous ont aidés. On a pu élaborer la formulation. Donc, le vinaigre n'a rien envié aux autres vinaigres. Il est fait de façon naturelle et nous l'obtenons soit au bout de 90 jours ou 120 jours. Ça se retrouve sur le marché, mais ce n'est pas beaucoup distribué. On a deux problèmes à ce niveau. La pomme est un fruit cyclique, donc on a ça pendant 4 mois dans l'année. Concernant donc la pomme de cajou, nous faisons également du jus. Il faut des pommes qui soient bien, des pommes fraîchement cueillies. Le jus de pomme, il est sans eau ajoutée, sans sucre ajouté. C'est la pomme pressée qui est mise en bouteille. Donc ça demande qu'on puisse conserver pour pouvoir avoir ce produit-là pendant toute l'année. Ce jus de pomme est un jus booster. C'est un jus qui a 5 fois plus de vitamine C que l'orange. Il a beaucoup de magnésium, il a beaucoup de potassium. Donc au lieu que nos enfants boivent autre chose, et ces autres choses même, je pense, ont été interdites, il faut que les gouvernants nous aident à pouvoir exploiter la pomme. Nous sommes distribués déjà dans des supérettes, des supermarchés et dans des pizzerias et restaurants. Madame Giré, à travers son entreprise, ouvre la porte à plusieurs jeunes qui souhaitent se former. Je suis à l'université Nangui à Brogua. Je suis ici dans le cadre de mon stage. Je fais la transformation de confiture à base de pommes de cajou. On fait aussi les pâtes à base d'amandes de cajou. On fait aussi des jus. Aujourd'hui, l'entreprise souhaite atteindre une autre dimension. Alors, elle se donne tous les moyens. Je fais partie donc de Red Passy, le réseau national des agro-transformatrices. Au sein du Red Passy, on bénéficie de beaucoup de formations. On a bénéficié il n'y a même pas longtemps d'une formation sur les réseaux sociaux avec des Canadiens. Et également avec le MPME, je suis membre. Je bénéficie d'un programme, le programme PEM. Je reçois donc présentement un expert qui est venu nous aider ici à SPD à élaborer un plan marketing et commercial et également vraiment nous aider à asseoir une marque en fait. Je travaille pour une organisation non gouvernementale de Pays-Bas qui a eu 1300 experts dans tout le domaine pour faire mieux dans une petite et moyenne taille entreprise. Et dans ce cadre, je suis envoyé ici à Côte d'Ivoire chez Madame Jacqueline à SPD pour lui aider dans de créer un plan de marketing pour son produit de très haute qualité et comment on va faire plus de ventes et comment on va améliorer ou installer le marketing. Pour terminer cette journée en beauté, nous sommes invités à Yopougon par Yao Juliette, promotrice d'un festival culinaire, pour déguster un plat originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Festiclé est une activité qui est organisée par l'Association pour la promotion de la culture Ouai, qui regroupe en son sein les jeunes du Guémont et du Cavalier. Nous avons décidé de promouvoir le clé, qui est une amande issue d'un arbre qu'on trouve dans les forêts de Chenou. Voilà. Et donc, c'est un mets qui est rassembleur chez nous. Ce mets-là que nous allons promouvoir à partir du 24 au 27 octobre prochain à travers le festiclé. Bien, le clé, d'abord, c'est l'amande que vous voyez là, qu'on pile. Et quand on finit de le piler de façon isolée, on met au feu les condiments, le poisson, le champignon, tout ce qui va avec. Et quand c'est cuit, on prend la poudre de l'amande qui a été préalablement pilée, on la mélange avec la sauce. Voilà. Et puis on laisse mijoter quelques minutes et on retire. Les gens ont l'habitude de dire clé bas, mais parce que le clé se mange avec le foutou manié qu'on appelle le bas. Sinon, il peut se manger avec le riz, il peut se manger avec le foutou banane, il peut se manger avec le thau.
selon la convenance de celui qui le prépare. Voilà. Il a des vertus qui sont digestes. Voilà, quand on est ballonné, qu'on mange le blé, ça passe. Et puis pour ceux qui ont la tension, ils peuvent le consommer facilement parce que c'est sans graisse. Voilà, le blé a beaucoup de vertus et ce sont ces vertus-là que nous allons vous présenter pendant les 4 jours de festivités. Et donc nous demandons à toute la population de venir découvrir les richesses de l'art culinaire. Ouais. Espérons que cette énième lucarne offerte par AVA à travers la célébration de leurs droits en cette année 2024 leur permettra d'avoir des aides et appuis pour booster leurs activités. Nous les femmes aujourd'hui, nous avons 98%, surtout nous, entre guillemets les leaders qui sont dans les marchés, nous avons 98% de nos femmes qui viennent toujours vers nous pour nous demander des aides. Et ces aides, nous pouvons le faire qu'avec notre ministère de tutelle, qui est Madame la ministre de la Femme, c'est-à-dire œuvrer auprès des institutions bancaires afin de faciliter l'octroi de prêts en vue d'étoffer le commerce de nos différents commerçants dans nos marchés. Et en deuxième point, je peux dire qu'il y a ici un programme d'alphabétisation qui va permettre à nos femmes de faire face à la numérisation galopante de leur activité. Parce que même si tu ne sais pas lire, mais au moins tu pourras faire 1, 2, 3, ça sera important dans ton commerce. Et puis aussi, le troisième point, une formation vraiment très basique de la comptabilité en vue d'une meilleure gestion de leur acquis. Moi-même, je suis membre d'un réseau, le REDPASSI, dont je suis la vice-présidente. Et dans ce cadre-là, nous bénéficions de beaucoup de formations. Le personnel que nous recrutons, nous passons aussi par les agences emploi jeunes et autres, et qui nous font confiance, ils nous donnent des jeunes gens que nous formons et avec lesquels nous travaillons. Donc si on pouvait bénéficier de financements ou de subventions, cela nous permettrait vraiment de développer davantage nos entreprises. C'est vraiment des petites industries qu'on allait pouvoir mettre en place. L'espace qui est ici, c'est pour les produits frais, mais qui vont rapidement. Dès qu'on décharge, on ramasse. Mais on n'a pas d'entrepôt pour les produits qui peuvent se faire conserver, comme les piments secs, les gombos secs, ainsi de suite. Parce que ça, si on met comme ça, ça prend de la moisissure. C'est un problème pour nous. Et on a peur maintenant d'aménager notre site parce que c'est un OTP. Donc nous sommes obligés de travailler dans ces conditions que vous-même vous voyez. C'est un problème pour nous. Donc notre besoin, c'est qu'on nous donne définitivement le site pour que nous puissions aménager comme il se doit pour que nous travaillions sainement. On n'est pas aidé comme il faut. Nous savons ce que nous voulons, mais on ne nous demande pas, ils font des programmes sans nous. Donc je voudrais que cela, si ça pouvait changer, ça allait être déjà un bon point. C'est avec beaucoup d'optimisme que nous avons pris congé de ces braves femmes. Bonjour chers tous, je suis Kone Amenan Anik, incubée au CVT. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la ligne de transformation d'épices qui est composée d'un broyeur multifonction de produits secs et frais, d'un broyeur de produits secs et d'un tamis vibrant. En première position, nous avons le broyeur multifonction de produits secs et frais qui est doté d'une capacité de 25 à 50 kg par heure, d'une tension utile de 220 volts, d'un moteur monophasé et d'une puissance de 2 chevaux et en acier inoxydable. Il permet de broyer les produits secs et frais, produits secs tels que le gombo, le poisson sec et bien d'autres, produits frais tels que la tomate et l'oignon. En deuxième position, nous avons le broyeur de produits secs qui est doté d'une capacité de 20 à 30 kg par heure, d'un moteur monophasé qui est en acier inoxydable, qui est convenable pour moudre les produits secs tels que les épices,
le gombo sec, le poisson sec, la crevette, le riz, le blé, le sucre, les plantes médicinales et bien d'autres. Enfin, nous avons le tamis vibrant à trois sorties, qui est doté d'une capacité de 200 kg par heure. Il permet de tamiser les produits en poudre tels que le manioc, le maïs et bien d'autres. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous au CDT. Nous sommes situés à Makori-Bietri, en face de la résidence IAC. Toujours dans sa quête et vision de partage d'expériences, en vue de réduire le fossé numérique entre les hommes et les femmes pour leur pleine autonomisation, à l'ère de l'économie numérique, du développement digital, Monsieur Ewoman Jean-Patrick, fondateur du programme Cheers the Code, continue de promouvoir et positionner le programme Cheers the Code comme un levier de formation des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. En effet, lancé depuis 2016, Cheers the Code est un programme de formation pratique adapté aux fonctions entrepreneuriales de coding, de management, leadership et marketing digital pour les femmes en général et en particulier pour celles évoluant dans le monde des affaires et agro-pastoraux. Au terme de plusieurs mois de cours théoriques et virtuels, une cérémonie de graduation a été organisée. Il s'est agi au cours de cette cérémonie de remise de certificats de fin de formation et des allocutions de M. Ewoman Patrick, de la marraine Mme Diabaté Aïcha et des conseils d'usage, puis d'échanges sur le coding, le management et le leadership féminin du marketing digital et de l'intelligence artificielle. Des auditrices exerçant dans le domaine agro-pastoral se réjouissent de la formation et des aptitudes et capacités acquises. Il faut dire que le programme Cheers the Code m'a énormément appris, m'a appris en tant qu'entrepreneur à affiner mon activité, à développer des aspects stratégiques pour mon activité et à mieux gérer les parties finances et clientèle de mon activité. Nous avons participé à la promotion P9 de Cheers the Code qui nous a apporté beaucoup. L'intervention de Cheers the Code dans notre activité nous a permis de booster, sinon doubler notre chiffre d'affaires à Abidjan. Nous sommes arrivés sans aucune notion d'entrepreneuriat. Avec Cheers the Code, nous avons appris le business model, comment rédiger un business model, comment rédiger un business plan, comment également structurer notre activité. Et c'est ça même qui nous a permis de devenir une entreprise avec tout ce que cela implique comme présence sur la place. La marraine de cette génération, experte comptable, elle-même chef d'entreprise, a rappelé à ses filleules de cette 13e promotion quelques recommandations. Il serait intéressant qu'aux sorties d'ici, elles arrivent chacune à son niveau, chacune dans son domaine, à pouvoir appliquer ce qui a été dit au cours de cette formation afin de pouvoir impacter le plus grand nombre de personnes. Et j'invite les femmes qui ne sont pas encore passées par ce programme-là à le faire, car c'est un programme qui va leur permettre de se mettre à jour réellement. Précurseur de la formation numérique à l'endroit des femmes, c'est toujours avec beaucoup d'optimisme que le jeune leader promoteur de cette 13e promotion rappelle les innovations de Cheers the Code. Cette 13e promotion a entre autres acquis des notions et du savoir-faire liés à l'intelligence artificielle, ce qui représente l'innovation majeure de cette promotion. Depuis la 13e promotion et pour toutes les promotions à venir, l'intelligence artificielle va être un pilier car aujourd'hui, il s'agit de l'un des concepts informatiques qui s'impose à nous et qui va créer beaucoup de bouleversements. Et donc, c'est notre responsabilité de permettre à ces femmes-là d'acquérir ces compétences. C'est par le passage du flambeau de la 13e à la 14e promotion et dans une ferveur festive, empreinte d'émotion, sur des pas de danse des premiers responsables, suivis d'une photo de famille, qu'a pris fin cette sympathique cérémonie. Nous sommes à la fin de nos 26 minutes. Nous félicitons toutes nos braves paysannes ainsi que toutes les femmes du monde entier qui œuvrent au développement de leur société. Nous invitons également notre jeunesse féminine à copier ce genre de modèle pour un avenir fructueux et nécessaire pour l'humanité. Que Dieu nous garde. On se donne rendez-vous très prochainement. Ciao.